Oui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dawat al-Islam, Jam'iyyat al-Shabab li Dawat al-Islam. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Connectez mes amis, connectez, on va parler. Je suis très choqué. M'soula salamé. On va parler. Connectez mes amis, connectez. Connectez. Voilà, connectez. Parce que nous, on a créé l'association pour les dawa. Pour les dawa qu'on a créé pour parler ce que Dieu dit, ce que le prophète dit. Mais quand quelque chose, ça devient Burkina Faso, ça ne nous va pas, on va dire. Parce que Burkina Faso, c'est un pays laïcité. C'est un pays laïque. Quand on dit pays laïque, tout le monde est là. Il y a chrétiens, il y a musulmans, il y a protestants, n'importe quoi. C'est un pays laïc, quoi. Voilà. Mais je vais parler quoi? Je vais m'adresser de notre autorisation. Oui. Je vais m'adresser de notre autorité burkinabé. Voilà. Et il y avait une association ivoirienne burkinabé. L'association, c'est l'association ADDI. Voilà, je vais vous montrer la logo et les t-shirts. DDR, vous voyez? Voilà. Regardez bien ça. Regardez bien ça. Voilà. Vous voyez ça? Voilà. Vraiment, moi je suis en Côte d'Ivoire. Moi je suis en Arabie Saoudite. Mais je regarde les dawa dans les réseaux sociaux, Facebook. Voilà, c'est ADDR Dawa. Vous voyez? J'ai vu ça même parce que c'est annulé. C'est annulé. Nous, autorités, refusaient qu'ils ne viennent au Burkina. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Je vous demande. Je vous demande, mon frère, soeur musulman, mon frère, soeur musulman burkinabé, il y a quel problème? Vous avez annulé les gens au Burkina pour venir faire dawa. Parce que quoi? Ils sont musulmans. C'est pour ça que vous êtes contre. Où est la laïcité? Je demande les autorités. Où est la laïcité burkinabé? Où est la laïcité Burkina Faso? Ça veut dire que vous êtes contre avec l'islam. Wallahi, nous sommes contre avec vous. Makosso, c'est un Ivoirien, c'est un pasteur, il est venu au Burkina Faso. Vous avez le refusé de venir faire dawa et puis il est venu faire l'église, il a fait tout. Mais ceux-là, c'est ceux les jeunes musulmans, ils sont en Côte d'Ivoire. Ils sont venus pour les dawa, pour sensibiliser les gens, pour qu'ils connaissent l'islam. Vous avez annulé eux, retourné en Côte d'Ivoire. Subhanallah al-Azim. J'ai dit. Je vais dire, les douates, les gens qui ont les grands percers de Burkina Faso, Wallahi, vous n'avez pas regardé. Réveillez, regardez ça. Ça c'est. Regarde, si vous avez vu les guerres musulmanes là, guerres religieuses, ça commençait avec notre autorité burkinabé. Je vous dis ça. Si vous avez vu guerre boucheur là, guerre religieuse, c'est l'autorité qui a autorisé ça. Pourquoi vous avez refusé qu'ils ne pas venir faire dawa? Si c'est un musicien, moi je veux dire, nous s'en fout des musiciens. Il y a un musicien qui vient de sortir. Il s'appelle Kaya Woto. Il s'appelle Kaya Woto. Le moment de Salhala, le moment qu'on a tué les gens, 32 personnes là, lui il est en train de faire le concert. Vous s'en fout les gens qui meurent. Il est en train de faire le concert. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire on va annuler ton concert. Que parce qu'il y a des gens qui ont mort 32 personnes. Vous êtes là, autorisés, donnez les autorisations. Il allait remplir des stars pour faire n'importe quoi. Mais les gens qui vont venir parler de Dieu, dit prophète, dit, vous avez annulé ça. S'il vous plaît, partagez les vidéos et puis mettez le cœur. Parce que je vois qu'il y a une mon lèvre. On peut en lire, partagez, ni mon cœur, j'aime le cœur, mettez le cœur. Puisque on va arrêter les vidéos, je sais. Mettez le cœur, mettez le cœur. On va dire la vérité. Partagez, mettez le cœur. Voilà, mettez le cœur, Abdelhamid. Merci. On n'a qu'à dire la vérité. Moi, je sais que mon français n'est pas bon, mais je vais parler, je vais me débrouiller quand même pour parler la vérité.
Nous, on parle de Dieu. Dit, nous, nous s'en fout de quelqu'un. C'est Dieu seulement que nous peur. Nous, pas peur de rien. Si ce n'est pas Dieu, si je vais parler ça, vous avez m'arrêter. Vous n'avez qu'à m'arrêter. Je suis d'accord. Parce qu'on va dire la vérité. Ce n'est pas normal. Pourquoi? Ils sont venus pour faire Dawa. Ils ne peuvent venir pour faire la musique. Est-ce que musique, c'est quoi qui rentre dans le Burkina Faso? C'est quoi qui nous donne? Ça, c'est quel conseil? Tu écoutes la musique, ça te fait quoi? Mais ça, là, il veut venir dire, Dieu dit pour faire dire. C'est Altiano nous veut, nous s'en fout de Dunia. Vous êtes avec les Dunia, c'est des musiques. Et le pasteur, quoi qu'il fait là, c'est ça qui vous intéresse. Quelqu'un veut venir parler, Dieu dit pour faire dire, vous avez annulé eux. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, Cheikh Bagayan, Wallah, je ne suis pas d'accord. Partagez cette vidéo. Ça n'a qu'à arriver à notre autorité. On n'a qu'à laisser ça. Wallah, vous n'avez qu'à laisser ça. Voilà, elle-même, il est en train de faire vidéo pour nous montrer. Moi, je suis contre de l'islam. Si quelqu'un s'amuse avec de l'islam, Wallah, on va parler. Nous, on va parler. Moi, je parle dans mon pays même. Le pays, France doit partir. On dit que le France n'a qu'à piter chez nous parce que c'est la France qui a des monafiques. On a contre avec les terroristes. On a contre avec les France. Mais on défend de l'islam. Mais ça, on va parler. C'est que ça va arriver, nous sommes prêts. Voilà eux-mêmes, ils sont en train de faire vidéo. Voilà eux. C'est nos frères musulmans. Nous sommes arrivés à la rue de Ouagadougou. Voilà. Arrivé à la rue de Ouagadougou. Hein? On nous a contrôlés normalement. Et arrivé au siège, à la partie où on donne les passeports. Mm-hmm. Ils ont pris notre passeport et nous ont demandé de nous mettre dans les camps pendant quelques minutes. Mm-hmm. Des heures. Mm-hmm. On n'a pas compris ce qui s'est passé. Mm-hmm. À notre grande surprise, on a été reçu par. C'est pas qui, on ne s'est pas présenté. Hein. Mm-hmm. Étant civil, bon, on m'a dit que c'était le chef parce que c'est lui qui donnait les ordres là-bas. Mm-hmm. Et qui a pris nos passeports, mm-hmm. qui nous a fait rentrer dans une salle et nous a dit que nous sommes interdits. Mm-hmm. Nous n'avons pas le droit de pénétrer le territoire où il a mis. Mm-hmm. On dit, hein, chef, quel motif? Mais chef, mm-hmm. quel motif? Quand tu frappes la porte de quelqu'un, mm-hmm. et il ouvre, et puis il te voit, mm-hmm. il te dit, t'es venu faire quoi? Tu lui donnes l'explication, et puis il dit, je ne veux pas que tu rentres chez moi, c'est déjà un motif, voilà. Mm-hmm. Ah, donc le fait de nous dire de ne pas venir au Burkina, pour lui, est déjà un motif. Mm-hmm. Mais pourquoi? C'est toute une organisation qui a été mise en place. Mm-hmm. Les gens ont payé nos billets d'avion, les gens ont payé nos séjours, les gens ont payé... Je ne sais pas si vous entendez bien, parce que le volume là est petit. Alors qu'on est là, on voyait les gens qui nous attendaient. Mm-hmm. Mais malheureusement, mm-hmm. il ne nous a pas donné de motif. Et il nous a fait passer même, il a violé beaucoup de procédures. C'est la ilaha illallah. C'est pas pervers, pierre et tout. Il nous fait remplir des formulaires. C'est lui qui était dans tout, c'est lui qui faisait tout. En fait, normalement, la procédure, c'est camp par camp, chef par chef, mais c'est lui qui est venu faire pour nous. Mm-hmm. Il a pris dans notre main, comme on le dit, en ghetto. Mm-hmm. Et il n'a pas voulu nous faire respecter la loi. Mm-hmm. Et il a pris sa lui seul. Il nous a fait passer mm-hmm. derrière l'aéroport. Et regardez, chose bizarre, il a appelé, il a demandé à ses gars de nous faire venir. Un bus. Mm-hmm. Il y a personne. Bus arrive, mm-hmm. c'est nous trois seulement qui montons. Regardez, et puis on passe devant les gens, mm-hmm. on est accompagné de trois policiers comme des terroristes, en fait, comme des gens. Effectivement, c'est l'image. C'est l'image, qui donnait de nous, en fait, comme des gens dangereux. Ah bon. Et quand on demande les gens, mais celui-là dit non, celui-là, c'est des cas spéciaux, quoi, voilà. Mm-hmm. Ils ont été rapatriés. Mm-hmm. On se soumet. Non, on dit ok, non, on n'est pas dans notre pays, donc on se soumet. Mm-hmm. On monte dans l'avion, il fait signe au pilote de l'avion, mm-hmm. mais non, au chef de protocole de l'avion, mm-hmm. de ne pas nous remettre notre passeport tant que nous ne sommes pas arrivés à Abidjan. Mm-hmm. Donc, arrivé à Abidjan, donc, arrivé à Abidjan, la police, mm-hmm. donc arrivé à Abidjan, mm-hmm. on descend de l'avion, mm-hmm. et puis, voilà qu'on nous demande, mais pourquoi est-ce que vous ont ramené à Abidjan? On ne sait pas. On est arrivé dans les pays, ils disent que nous, on n'a pas le droit de rentrer là-bas. Mm-hmm. Que on est des... Ils ont donné un nom assis. À quoi là? À la patrie. Ah, c'est toi qui as fréquenté, non? Mm-hmm. En tout cas, ils ont donné un nom là-bas. Donc la dame dit que nous, c'est pas normal.
Il a, voilà, il a. Mais ils disent que non, c'est pas normal. D'abord, nous sommes dans un pays CDAO, on demande de la circulation. Voilà, là, on a libre de circuler partout où on veut. Donc, ils veulent, sur ce, papier qui accompagne notre rapatriement. Ah, il est là, il est là. Notre rapatriement. Voilà, donc on aimerait poser certaines questions. On n'arrive pas à comprendre. On dit, mais pourquoi le monsieur a refusé que nous rentrions sur le territoire burkinabé sans motif écrit, sans motif valable, sans rien, nous s'est levé de lui-même. Il nous a pris, il nous a ramené dans un dans notre même avion R, quoi tu vois que nous avons pris. Il nous a rapatrié chez nous parce qu'il voulait. Pas que nous pénétrons sur le territoire ivoirien. Donc les questions se posent. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Mais qu'il sache que bon, ça ne va pas rester comme ça. Malheureusement, parce que les autorités ivoiriennes aussi ont décidé de. Voilà. Bon, ça ne va pas rester comme ça, bizarrement, puisque si, puisqu'il n'y a aucun document. Oui, oui. Donc lui-même, il s'est laissé poursuivre par sa propre justice, en fait. Oui, oui. La justice va demander, je vais chercher à savoir pourquoi est-ce qu'on a été rapatrié. Oui, là. Wallahi, wallahi. Parce que vous savez qu'il y a très bonne relation entre oui, oui, oui. La façon oui, oui. Pays frère, c'est un pays qui nous aimons bien, nous avons beaucoup de wallahi. Bon, vraiment, ce monsieur qui a fait ça là, on tenait à le dénoncer. Et à ceux qui sachent qu'il a fait une chose grave, bon, on laisse tout à la main d'Allah. Tout aussi, c'est la volonté d'Allah, bien sûr. Oui, voilà, oui. Pas la main, ce qu'Allah fait. Bon, voilà. On est retenu. Je vous remercie beaucoup. Vous avez vu, vous avez vu les audios. Voilà, Oustad Diana et Ismaël Aka et Moussi Nyamwiogo. Et vous voyez, c'est les trois personnes qui a des mouvements là. Voilà. Moi j'ai dit, notre autorité, pardon pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît, ne mettez pas honte dans notre pays chaque fois. Ne mettez pas honte. Entre nous, avec les frères ivoiriens. Nous, avec les frères ivoiriens, nous sommes musulmans. Dans 6 mois comme ça, il y a une fille, et, je ne sais pas si c'est un artiste, ou bien quoi. Il est venu dans l'aéroport aussi. On dit qu'on l'a déshabillé, ou bien d'affaires, quoi. Ça devient. Ça, c'est pas notre problème. Nous, on s'en fout de ça. C'est un musicien. Nous, on ne parle pas de musique. Nous, on parle de l'islam. Cela, c'est nos frères. Musulmans, ils sont venus pour les dawa. Ils n'ont rien venu pour rien. Mais pourquoi vous leur patrie? Et encore, je m'adresse avec notre fédération. Fédération, il faut que vous savoir ça. Regardez ça, hein. Fédération musulmane burkinabé. Vous devez voir ça. Pourquoi? Ils vont rapatrier les gens. Ils vont rapatrier les jeunesses musulmanes. Et ils sont venus pour les dawa. Vous avez leur rapatrié. Ma bipo on ne m'a bila pas. Ma am gom fana naya. Namba ha fana na woto. Yella zab de souri. Yella zab de souri. Ivoirien yembe Côte d'Ivoire. Il y a pas terre te bon nata makoso. A makoso wa Burkina Faso. Il a fait son pasteur. Il a fait tout dans l'église. Il a fait son concert. Il a fait tout. Vous n'avez rien dit. C'est ça? Et Doxy, il est venu. Quoi? Une femme grosse là. Vous n'avez rien dit. Hein? Comment on appelle? Yoruba, où est-ce Yoruba? Moi, je ne connais pas les noms des musiciens là. Mais musiciens viennent Burkina Faso pour faire le concert. Vous n'êtes jamais interdit eux au Burkina Faso. Ceux qui viennent dire Dieu dit, pour faire dire là, c'est eux que vous êtes en train de retourner en Côte d'Ivoire. Wallahi, Dieu va vous demander. Dieu va vous punir ce que vous avez fait. Moi, je ne suis pas d'accord. Hein? Moi, je ne suis pas d'accord. Au nom de Dieu, moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que nous, on parle de ce que Dieu dit, le prophète dit. Nous, on parle de l'islam. Pourquoi les frères musulmans, ils ont quitté en Côte d'Ivoire, venir avec l'argent, avec avion, avec les billets, et puis vous avez les répartis. Pourquoi? À cause de quoi? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et puis vous dites que Burkina Faso, c'est un pays laïcité. Il y a Burkina Faso, il y a laïcité. Il faut y avoir un coup d'art. Faut être chrétien, faut être tout tourum. T'es pas mal à me dire quoi de varan wa. Nanta huinam yele ne biam yele. T'es un bien t'es bravo. Ton yé t'es musicien mon wa t'be wa.
nyam arrêté de blâmer, nyam pas arrêté de bier. Bama wa nanta wini yele, nan koniba ide winnam ne ne biama yele, tiam le tournba. Nyam pas jet winnam, il a winnam na soukia. Wallahi tallahi, moi je suis m'sura kanomie. Et puis maintenant les trois hamé, ton fédération. Fédération Association Burkinabé, j'ai winnam. Yam ye lila matao dama. Alegi Umar Zungranam nan pour en yule, balayam la tor soba. Nyam banga yel kanga tili biyam kabangi wakari bur fa ha wingeli lamam gomtia mi kiyam da kabang tili lamam mi mi tehwa man mi haya ba mi nyaka biyam nyakre na man da awawa ni ya pa de problem le ha mi kam tia tun burkina biya mi invite ba te na man da awawa nyam federation son mentara yel kanga kibare nyam federation son mentara yel kanga kibare ab katun wale to ne ba tinyam zinje ni nyam federation yor ma ha Yam ma federation aya yam nyure ya point yam namba ke lebe neba ko ne ba ni burkina ya chulo wana ka biye la hin yo wala yam ma lihla ma taw dam da so mi yikin yetu ka lebe neba ne ba na mana dawa in wuligi ba tun yata parti adam ho wat be man wa zurama tun yata musician ho wat be yin ne yam fa are turu be waye ba ma na ta hun yele na biya mi yela liyam na yetu le burkina fa yam eble ko le bare wala man qu'est-ce que j'ont fait pardon partager les vidéos. Wallahi, moi je suis pas d'accord. Mais Dieu est là. Wallahi, Dieu est là. Dieu vous voit. Nerhanaw ma musique. Maham gomna. Musicien de Burkina de Bon Takaya Woto Bakaya Woto. Akaya Woto ya. Le brin gehen data de gehen salha wyeba. Neva kela mangoma soma. Regardez les dates les salhala. Les 160 et quelques mois là. C'est le moment que ya wakar kang la kaya woto man na concert away. Nyaka da zili la ma yaka da zili bi to wa akaya woto bonan ta musicien wakar kan ga yima na musica ma na concert ner ka ber na yeta ba ma sukutu ne ben nankiye nyam be beti yam kirim nam la nyuru nam ka pak yam ye ha ti ma on da mara ma wan na wan ta hun nam yele ne biya mi yele ti yam arede de ba ma na sukule ra ning de tente nga nyani je win nam le ra ning de Burkina Faso nyani ye nyam le be da tenga pore nyam le be da tenga pore wallahi tallahi. Donc les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. A'ouz billahi minash shaitan ar-rajim. Lanatullahi alaykum. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Partage une vidéo, il n'y a pas de soucis. 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 Il n'y a pas de. Nous sommes l'association Jeunesse Da'watul Islam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nous sommes des jeunes pour parler ce que Dieu du prophète dit. Et encore notre pays, s'il y a des crises, on va parler. Puisqu'on n'a qu'à être ensemble pour arranger. Wallahi, m'sounaka m'omni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'ouz billahi minash shaitan ar-rajim.